Bienvenue sur notre chaîne Demeure étoilée pour une nouvelle histoire. Celle d'un jeune garçon qui passait son temps dans la rue, à boire de l'alcool du matin au soir, mais qui termine sa vie comme dans un rêve. Et nous disons de suite, il fut un temps. Vivait un jeune bosniaque. Rappelons de suite que cette histoire nous est racontée par un imam qui a vécu la scène que nous allons vous raconter dans quelques secondes. Donc nous allons nous mettre à la place de cet imam et nous allons vous raconter l'histoire comme s'il le racontait lui-même. L'imam dit, c'était en 1999, j'étais parti pour faire le pèlerinage. On est d'abord arrivé à Médine. Me semble-t-il que c'était le quatrième jour. Nous étions assis sous la coupole verte et nous lisions du Coran avec les pèlerins. Une fois avoir terminé la lecture, nous l'offrons au prophète que la paix soit sur lui, à ses compagnons que la paix soit sur eux et tous nos défunts. Ensuite, tout le monde regagne son hôtel pour se reposer. Ce quatrième jour, au niveau de la porte de visite du cimetière Jannatul Baqi, nous avons entendu des bruits, des voix qui s'élevaient. Un événement se produisait et les pèlerins remplissaient la place. Comme s'il y avait une bagarre, une dispute, je me suis également précipité sur les lieux. Ils ont sorti un jeune de là-bas, un jeune maigre, de couleur de peau jaune, avec une toute petite barbe. Ils l'ont allongé au sol, ont commencé des massages cardiaques. Les médecins sont arrivés, mais le jeune a rendu son âme. Tout près de lui, au niveau de sa tête, attendait un monsieur qui pleurait très fortement. Je me suis dit qu'il devait être de la famille et je lui ai demandé qui était ce jeune homme. Il m'a répondu que c'était l'alcoolique du village, qu'il buvait de l'alcool du matin au soir et du soir au matin. Que tous les villageois qui le croisaient changeaient leur route tellement il était nuisible. Tout le monde en avait marre de lui. Il s'appelait Mestan. Moi, je suis le chef du village. Un jour, il est venu à moi et m'a dit « Ô chef du village, j'ai vu notre prophète que la paix soit sur lui dans mes rêves. Il m'a tenu par mon col très fortement et m'a secoué encore plus fort. Puis a rajouté « Mestan, ça suffit. C'est quoi cet état pitoyable dans lequel tu es ?» Dépêche-toi de venir à moi. Ô chef, je t'en supplie, emmène-moi à Médine. Par amour de Dieu, emmène-moi à Médine. Le chef dit, je pensais qu'il racontait des mensonges pour que je lui donne de l'argent afin qu'il s'achète une bouteille de plus, car il était toujours saoul. Je ne voulais pas avoir d'histoire avec lui. Je ne l'ai pas cru. Je lui ai donné quelques sous pour qu'il quitte ma porte. Mestan a fait toutes les portes du village. Il disait à tous, j'ai vu notre prophète, que la paix soit sur lui. Aidez-moi à partir à Médine afin de le rejoindre. Mais malheureusement, tous les villageois avaient pensé comme moi, et ne voulant pas avoir de soucis, lui ont donné quelques pièces et l'ont renvoyé. Mais Stan a constaté qu'avec l'argent qu'il avait collecté, il était impossible d'aller à Médine. Il est revenu voir le chef du village et a dit « Chef, tu es notre leader, tu es le grand et le sage du village. Je te demande de m'emmener à Médine. Je te jure que si tu ne m'emmènes pas à Médine, je brûlerai vos toits, je détruirai vos maisons, je brûlerai ce village. Emmène-moi à Médine. Mon prophète m'appelle, emmène-moi à Médine. » Le chef continue et dit « Nous avions 4-5 vaches. Nous en avons vendu quelques-unes pour payer le voyage du pèlerinage. Nous sommes d'abord arrivés à Médine. Ça fait 3 jours que nous sommes arrivés. Dès que le bus s'est arrêté devant l'hôtel, Mestan est descendu à grande vitesse et a demandé au premier passant de l'emmener auprès du prophète que la paix soit sur lui. Un passant lui a montré le chemin et Mestan a commencé à courir et moi, je criais derrière lui. « Mestan, attends, on prend les valises, on s'installe dans notre chambre, on ne connaît rien ici. Attends-moi !» Mais il ne s'est même pas retourné. Il continua de courir et moi derrière pour ne pas le perdre. Mestan est entré dans le Mesjid Nabi et s'est rapproché du prophète que la paix soit sur lui en disant « Je suis arrivé, Ya Rasulallah. Je suis venu à toi. J'ai trouvé une solution et je suis venu, Ya Rasulallah. Tu m'as invité. Je suis venu, Ya Rasulallah. » Là-bas, la police ne vous laisse pas crier ou parler à haute voix. Mais personne ne dit rien à Mestan. Pour ceux et celles qui sont déjà allés au Hajj, vous savez à quel point il est difficile de passer dans la zone dite « Jardin du Paradis ». Cette zone qui se situe entre la tombe de notre bien-aimé et le Mimbar. Mestan a carrément traversé la foule comme s'il n'y avait personne. Et il est allé poser sa joue contre les grilles où se trouve la tombe de notre prophète, que la paix soit sur lui. Il a commencé à dire « Je suis arrivé, Ya Rasulallah. Je suis arrivé. Je ne savais pas que tu m'avais autant aimé. Tu m'as invité. Quel grand honneur pour moi. J'ai renoncé à tous mes péchés et j'ai demandé pardon à Allah. Mais je me demande si toi tu vas intercéder pour moi. » Ouvrons une parenthèse. Pour expliquer ce que cela veut dire, le jour du jugement, quand les comptes vont se faire, notre prophète que la paix soit sur lui va utiliser son droit afin de demander à Allah de pardonner sa Ummah pour qu'aucun musulman ne tombe en enfer. Il faut bien sûr le mériter.
Fermons la parenthèse. Mestan continue. Je t'aime beaucoup, ya Rasulallah. Je t'aime beaucoup. Mestan répétait sans cesse les mêmes choses. Le chef dit, j'ai attendu à ses côtés pendant une heure, deux heures, trois heures. Voyant que Mestan ne voulait pas quitter les lieux, je lui ai touché l'épaule pour lui dire qu'on rentre à l'hôtel, qu'on s'installe tranquillement et que nous reviendrons, mais il n'a rien voulu savoir et a dit, chef, tu as accompli ton devoir. Merci, tu peux rentrer. Moi, je reste ici. Je ne bouge plus. Tu peux garder l'hôtel et la valise pour toi. Rappelons que ces années, le Masjid al-Nabi ferme ses portes à minuit et rouvre à l'heure du Fajr. À l'heure de fermeture, la police demande à Mestan de quitter les lieux. Ils veulent le sortir. Mais Mestan dit, c'est lui qui m'a invité. Je suis venu ici sur son invitation. S'il vous plaît, ne me sortez pas. Autorisez-moi à rester à ses côtés. Voyant la sincérité de Mestan, la police l'autorise à rester. Précisons que c'est très rare. Imaginez-vous, en dessous de la coupole verte se trouvent seulement Mestan et le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Quel honneur, quelle chance. Mestan ne mange rien. Deuxième jour, pareil. Mestan ne bouge pas de sa place. Il supplie la police pour rester. Finalement, la police l'autorise et idem pour le troisième jour. Cette fois-ci, voyant Mestan tout pâle, le responsable de la police est venu nous voir et a demandé de prendre soin de notre pèlerin, qu'il était inquiet pour sa santé. Il a ordonné de le sortir pour qu'il mange un peu, car depuis trois jours, il ne buvait que du zemzem et faisait la prière avant de reprendre sa place. Il ne voulait pas voir le jeune mourir de faim. Donc la police est venue pour sortir Mestan. Mais Mestan ne voulait pas quitter les lieux. Il suppliait et disait qu'il n'avait pas faim, qu'il ne voulait pas sortir, qu'il était l'invité du prophète, que la paix soit sur lui. La police insista, mais lui ne voulait pas partir, même pour manger un petit bout. La police ayant reçu l'ordre de le sortir, ils l'ont pris par les bras et les jambes et ont commencé à avancer vers la porte de sortie. Au moment où il passait là où tous les musulmans disent « Assalamu alaykum ya Rasulallah », Mestan s'est retourné et a crié « Regarde ce qu'ils font à ton invité, ya Rasulallah. Ils m'éloignent de toi, ya Rasulallah. Ne savent-ils pas que c'est toi qui m'as invité? Ne sont-ils pas au courant de toi, ya Rasulallah ?» Sur ces propos, Mestan rendit son âme. Le chef dit à l'imam, « Voilà ce qui s'est passé et vous êtes arrivé au moment où on lui faisait des massages cardiaques. » L'imam racontant cette histoire dit, « Je n'ai jamais été jaloux de personne et je n'ai jamais compris pourquoi une personne pouvait être jalouse d'une autre. Je vous promets que j'étais jaloux de Mestan. Je me suis dit honte à toi qui as commencé à lire le Coran à l'âge de 2 ans. Toi qui as grandi dans une famille avec que des imams. Honte à toi qui as un cœur qui n'est pas prêt d'arrêter de battre en quittant le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Honte à toi qui n'a pas atteint l'amour d'un alcoolique. » Nous avons essayé de vous raconter l'histoire de Mestan qui avait trouvé l'amour de notre prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Qu'Allah nous permette d'atteindre, de trouver et de vivre cet amour envers Allah et son prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Walhamdulillahi Rabbil Alameen.